Ah désolé, j'ai dû te niquer les oreilles là. Chinwi. J'ai bientôt 10 abonnés. Voilà, et genre pour les... Attends, tu m'écoutes, j'ai pas encore fini de parler. Et pour mes 10 abonnés, je vais... Non mais rigole pas, j'ai pas fini de parler. Vas-y, vas-y, vas-y. Et pour mes 10 abonnés, je vais faire un concours sur ma chaîne. En fait, je fais des vidéos sur FIFA et tout. Pour rappeler un petit peu la Coupe du Monde, je vais faire gagner une Vuvuzela. Vous voyez ce que c'est? Ouais, ouais, trop bien, une Vuvuzela, j'adore ça. En fait, je prends mes cas, donc tout genre, de même, si j'en reviens en plus. Elle est chez moi, je peux l'essayer si tu veux, après je te la nettoie. Bonjour. Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Attends, écoute-moi. Je suis actuellement ouais. à la recherche d'une team. Oui. Ah ouais. Tu veux venir avec nous? Bah j'ai vu... T'es pas là, attends, comme j'ai vu que vous vous entendiez bien, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et vous prévenir. Ouais bah écoute, ouais c'est vrai qu'on s'entend bien, je suis d'accord avec toi, on est une bonne équipe, on délire bien et tout. Mais et attends, c'est qui tu me parles là? C'est okay, qui okay, c'est PGM. Ok d'accord, bah écoute c'est lui le big chef, donc c'est avec lui pour que tu vois. Salut, le chef. Salut. Donne un temps Victor. Ah comment tu fais? C'est toi ça? Ouais c'est moi, pourquoi y'a quoi? Bah je sais pas, t'es monté sur la table en mode le mec qui répare la table. Attends, comment tu fais pour sauter? 3. Non. 3, attends. Je peux pas m'enlever, je suis bloqué. Bah je vais faire toute la partie comme ça, c'est pas. Vas-y, bah puis sur quoi bordel de merde, sur quoi? Dans Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais. Combien y a-t-il de nains? Bah 7. 6, 7 ou 8? 7. T'es sûr? Tu l'as vu le film? Non, non, en fait, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. Pas de con. Hein? Blanche-Neige et les 7 nains. Et alors? Donc, y'en a combien? Bah, 7. T'es sûr? Ok, bah, vas-y, 7. 7, note. Vas-y, Jules, fais pas chier. Parce qu'il croit que c'est 8. Il veut pas noter 7, il croit que c'est. Vous êtes sûr, les mecs, hein? Mais oui. Ok, vas-y, note. C'est pas des... Bah, c'est bon, il a noté. Pardon? On peut jouer un peu ensemble et... On verra. Il fait des... je veux dire. Hein? Oui, maman? Attendez deux secondes. Maman? Non, mais sérieux? Non, j'ai pas cours de dessin. On est vendredi. Non? C'est... Mercredi? C'est quoi ce mec? Mercredi, cours de dessin. C'est un genre bizarre. Vas-y. Il fait délire, ce genre. Allo les mecs. Mm-hmm. Vous aimez bien les bateaux? Eh les mecs, je vous passe mon frère. Deux secondes. Wesh les mecs. Ouais, tu sa voix, t'es content. Oh putain, mais c'est trop ligue. Oh, sérieux, tu crois vraiment qu'on va te croire? Oh vraiment? Je suis frère. Écoute, je suis mon frère. Ta voix elle bug. C'est quoi s'il vous plaît les gars le nom de la map? Taras. Toi-même Taras, pourquoi tu m'insultes gros? Un truc de malade, lâche pas l'affaire hein. Viens avec toi en vacances, je te connais pas mais on va faire connexion. Ok c'est pas grave, je vais chercher quelqu'un d'autre, merci. Le mec n'a pas de répartie. Et après si je cherche vraiment la merde, je peux t'envoyer mon cousin qui habite à Paname hein, ça me dérange pas moi. Vas-y envoie-le. Parti de bataille avec lui. Ouais. Mon cousin là il peut pas parce qu'il est à Toulon, il est parti en vacances, tu vois, pas comme ça parce que c'est pas un clochard. Il a dit que quand il rentre au mois d'août, il va t'enculer. Au mois d'août, mais je pars. Mais tu pars où? Avec toi. Espèce de mongol. Fais pas le mec. J'ai fait du catch. C'est quoi le nom de la map, s'il te plaît? Détroit. Touché. Ah non, couler, bien joué. C5. T'es une fille, non? Si je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Je voulais savoir, tu vois, c'est la rentrée. Toi, t'as repris les cours aussi ou pas? Ouais. Et en gros, tu vois, ma mère, elle a fait les fournitures pour moi. Parce que je pouvais pas y aller, en gros. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle m'a acheté des trucs, ça m'intéresse pas trop. Elle m'a acheté un classeur My Little Pony. Je dois être plus âgé que toi, à première vue. Non, mais le truc, c'est qu'en vrai, tu vois, je suis quelqu'un de très très viril, en vrai, dans la vraie vie. Et du coup, ça le fait pas trop pour My Little Pony, c'est pas trop mon délire et tout. Et du coup, est-ce que tu veux que je te vende le classeur ou pas? Non, merci, j'ai pas du tout besoin de classeur. Moi, je prends les cours à l'ordinateur. Ah bah je peux te vendre aussi un sticker, My Little Pony. Non, comme c'est vu que ça m'intéresse pas, tu vois, j'ai un minimum aussi. Toi t'as un peu de virilité, moi tu vois j'aimerais pas qu'on prenne pour une gamine. Sinon je peux te donner une trousse,
Non, c'est bon, je suis sûr que... Non, c'est bon, arrête de vouloir me revendre tes affaires. Ah, ok. Un porte-manteau? Non plus. Pour poser ton manteau? Non. Tu peux très bien m'expliquer ça en tant qu'on joue, maman. Oui, ma femme. Eh, hey, Agnès, mm-hmm. Tu m'entends? Oui. Passe-la moi 2 secondes, s'il te plaît. Commence à me saouler, là. Je le sais, je la connais. A tout de suite. Bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Va faire ton cahier de vacances au lieu de jouer à la console. Mais justement, j'en ai pas et je voulais savoir si vous connaissez un dealer de cahier de vacances. Mais tu vois pas qu'il le fait exprès. Un dealer de cahier de vacances, il est con, celui-là. Ah, on fonde une bonne équipe, hein. Mais t'es mauvais, qu'est-ce que tu parles avec nous? Je suis 2e de la partie, je sais pas pourquoi tu me parles. Tiens, je vais te sauver la vie. C'est ta vie. Bah non. Mais arrête, je bug, c'est quoi ce délire? Oh, l'excuse de 2009. Ça lag. L'excuse de 2009, le mec. Mais pourquoi tu parles, toi, putain? Changer un peu de disque. Eh, mon père, il a fait du taekwondo quand il était petit, il s'est arrêté ceinture orange. J'en bats les couilles. Non, mais je préfère te prévenir. Il n'a pas de vie sociale, celui-là. Si tu veux qu'on se rejoigne à la sortie du collège? Du coup, moi j'ai juste une question. Ouais. Les gens avec qui tu traînes, ils sont appelés comment aussi? C'est genre des ploucs ou... Bah, en fait, il y en a, ils kiffent. Tu vois les bananes? Ouais. Bah, ils mettent ça. Ils les portent en bandoulière? Bah, non, ils les mettent. Devant ou tu vois pour des fois pour rigoler le mettre sur leur front. Qu'est-ce que t'as comme dans ta garde-robe? Parce que si tu vas une soirée, faut peut-être déjà savoir ce que t'as dans ta garde-robe, quoi. J'ai pas de robe déjà. J'ai Ah, ce mec je le kiffe. Accepte-moi un ami. Ouais, attends, 2 secondes, parce que tu me saoules. Moi quand tu fais des lettres au Père Noël, bah c'est des gens exprès qui te répondent. Non, ce qui paraît c'est les secrétaires du Père Noël. Il y en a une elle s'appelait Nadia la dernière fois, elle a dit Nadia le lutin, elle a répondu. Mais t'as des gens qui sont payés pour. C'est fait exprès. Ça fait la magie de Noël pour les petits enfants. Attends, mais il a déjà vu le Père Noël dans le supermarché. Oui, je l'ai vu. Toi, tu disais quoi? Je n'ai plus de sentiments. Ouais, je n'ai plus de sentiments du tout. Bah attends, j'écris, je note. Je prends un stylo. Ouais, c'est bon, je n'ai plus de sentiments. Vas-y, après. Je n'ai plus comme avant. Je n'ai plus comme avant. C'est un E muet ou c'est un E prononcé? Un muet, je crois. Muet. On le fait en alexandrin ou en octosyllabe, enfin comme tu veux. Oh, tu fais ça en tout, tu t'en fous. T'as 13 ans, t'as pas connaître tes verbes poésie. 2 ou 4 strophes, vers croisés, enfin faut me dire, moi je sais pas, info. ABAB, BABA, ACDC, je sais pas, comme tu veux. Pendant que j'y pense, il m'avait demandé de trouver un nom pour moi, un nom de scène pour quand je ferai du catch et que je serai connu et musclé. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que t'aurais pas une petite idée, genre, tu vois les noms un peu des catcheurs, genre le boucher bondi, c'est... Mais le fais pas, t'as pas envie d'être catcheur, t'emmerdes pas, mec. Non, mais c'est au cas où. C'est au cas où. Oh, vois, j'en sais rien, moi, mais je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. Dis-moi un mot. Dis-moi un mot, tout de suite, juste un mot qui te passe par la tête là. Le tueur, j'en sais rien moi. J'en sais rien moi. Le tueur, j'en sais rien moi. C'est bien non, ça. Non, le tueur tout court, pas le tueur, j'en sais rien moi, le tueur. Le tueur tout court, c'est pas mal hein, tueur tout court. J'en sais rien moi, c'est moi qui l'ai rajouté ça. Tout court, je l'écris attaché ou pas? Tu dois pas avoir beaucoup de vues quand même sur ta chaîne. Putain.